Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous mes frères et sœurs. Soyez puissamment bénis. J'espère que vous allez bien dans le nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 mai 2023. Le Seigneur nous a réveillés encore dans son immense amour et dans son immense miséricorde. Disons-lui merci. Hier matin, pendant que je priais, j'ai reçu un message pendant ma prière. J'ai entendu Galates 5, le verset 22, les 9 fruits de l'Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu parles de ça à tes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message très, très important. Donc, soyons attentifs. Mais avant de donner le message, je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Toi, le Dieu vivant, toi, l'Éternel, toi, l'incomparable, Seigneur. Père, je prie ce matin pour que ton règne vienne ce matin, pour que ton règne, Seigneur, vienne. Que ton Esprit Saint, Seigneur, m'aide encore ce matin à donner ce message au nom de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit retranché au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction soit retranché par ta puissance au nom de Jésus. Père, que ce moment de méditation se fasse dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Fais taire toute chair, Seigneur. Seigneur, je fais taire ma chair, Seigneur, pour laisser ton esprit parler, Seigneur. Je fais taire, Seigneur, ma chair, Seigneur, pour laisser ton esprit parler au travers de moi au nom de Jésus-Christ. Que ce message, Seigneur, que rien ne soit retranché ni ajouté par ta puissance encore ce matin au nom de Jésus. Je remets ce message entre tes mains, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu es au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Du coup, comme je l'ai dit, c'est un message très important. Et c'est un message qui va aussi nous préparer pour l'enlèvement de l'église parce que le Seigneur arrive, bientôt la trompette va sonner et nous devons nous préparer. Alors, c'est donc Galates 5, le chapitre 22. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je relis au nom de Jésus-Christ, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Avant de parler des 9 fruits de l'esprit, nous allons parler d'abord du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, de pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Nous allons prendre dans un premier temps Jean 14, le verset 26, qui nous dit, c'est une parole que le Seigneur donnait à ses apôtres, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en moi, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et nous allons aussi prendre Jean 15, le verset 26 aussi. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. C'est une des promesses que le Seigneur nous a faites à son Église. Le Seigneur a promis que lorsqu'il ira dans le ciel, il allait envoyer son Esprit Saint pour son Esprit Saint conduise son Église, pour son Esprit Saint conduise encore son peuple. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que l'Esprit Saint n'a pas été envoyé pour les païens. L'Esprit Saint n'a pas été envoyé pour les gens du monde. Mais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est envoyé pour l'Église. Le Saint-Esprit est envoyé pour le perfectionnement, pour la sanctification de l'Église. Le Seigneur dit encore dans Jean 16, le verset 8, le verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons prendre encore un dernier verset qui parle de l'Esprit Saint. Dans Jean 14, le verset 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Que la parole de Dieu soit bénie. Ça confirme vraiment ce que nous venons de dire tout à l'heure. Que le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui a été envoyé pour l'Église. C'est cet esprit qui a été envoyé pour le perfectionnement, pour la sanctification de l'Église.
Maintenant, nous allons revenir sur Galates, Galates 5, le chapitre 22. Alors, Galates 5 nous dit encore, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Mais bien aimé, ce verset veut nous dire que le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est cet esprit-là qui nous pousse à porter des fruits. C'est cet esprit-là qui nous pousse à vivre dans la sanctification, qui nous pousse à marcher dans la sainteté, à avoir une marche véritable avec le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit pousse cette personne-là à ne plus pécher. Le Saint-Esprit pousse aussi cette personne à avoir les 9 fruits de l'Esprit. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir les 9 fruits de l'Esprit dont parle la Bible. Galates 5, le chapitre 22. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu qui parlent avec orgueil, avec même souvent mépris, qui frappent même les fidèles, tout ça. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vit en eux, ils ont la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est pour cela, mes frères, c'est qu'il est très important pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, d'avoir les fruits de l'esprit, de porter de bons fruits. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous partons à l'église, nous évangélisons, nous prions, et que nous n'avons pas l'Esprit Saint en nous, nous n'avons pas les fruits de l'esprit, cela, c'est zéro. C'est pour cela, mes frères, en tant que chrétiens, nous devons porter des fruits, de bons fruits. Nous devons porter. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur a dit savoir que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les représentants du Dieu vivant sur la terre. Du coup, nous devons porter de bons fruits. Nous devons porter aussi. Nous devons avoir tout ce que Galates 5, chapitre 22 nous dit : la paix, la douceur, la tempérance, l'amour, la bénignité. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Est-ce que nous avons véritablement les 9 fruits de l'Esprit en nous? Est-ce que nous portons de bons fruits en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? Le Seigneur dit encore dans Matthieu 7, je vais lire le verset 16 jusqu'au verset 19. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Le Seigneur nous dit encore que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le Seigneur dit encore dans Matthieu 7, le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent et qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit qu'au jour du jugement dernier, il y a plusieurs personnes qui diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé et guéri des malades par ton nom? Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur dira à cette personne, à toutes ces personnes, je ne vous ai jamais connu? Parce que ces personnes ont travaillé sans l'Esprit Saint, ces personnes ont fait des choses sans le Saint-Esprit. Ces personnes ont marché par la chair, ces personnes ont accompli les désirs de la chair. Et c'est pour cela que le Seigneur les dira au temps de la fin que je ne vous ai jamais connu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous remplisse encore de son Esprit Saint. Pour que le Seigneur nous remplisse encore de lui. Quand nous prions, quand nous avons nos moments de prière, prions beaucoup pour que le Seigneur nous remplisse de sa présence et de son Esprit Saint. Pour que nous puissions porter de bons fruits et pour que nous puissions aussi marcher dans la sainteté et dans la sanctification. C'est pourquoi j'exhorte aujourd'hui un frère ou une sœur à rechercher l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, à travailler sur la colère, à travailler sur toutes ces choses qui peuvent nous empêcher, qui
peut nous, même nous faire rater le sien, à travailler, à être aimant, à aimer beaucoup son prochain, à avoir la joie, à avoir la paix, à être patient, à avoir aussi la bonté et la douceur. Toutes ces choses-là, c'est toutes ces choses-là qui nous qualifieront, qui feront de nous véritablement des enfants de Dieu. Nous allons maintenant parler de comment faire pour avoir les fruits de l'esprit, comment faire du coup pour avoir tous ces fruits-là en nous. Premièrement, pour avoir ces fruits de l'esprit, nous devons être un enfant de Dieu. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous devons avoir une intimité véritable avec le Seigneur. Nous devons beaucoup prier, beaucoup lire la parole de Dieu, beaucoup méditer. Nous devons remettre tout ce que nous faisons entre les mains du Saint-Esprit. Nous devons aussi être obéissants à la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons travailler sur notre caractère. Nous devons éviter les choses du monde. Nous devons éviter tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et lorsque nous ferons toutes ces choses-là, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra vivre en nous. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra nous communiquer, nous partager tous les fruits qu'il représente. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était vraiment ça le message. Prions. Faisons en telle sorte que l'Esprit Saint nous remplisse. Prions pour que l'Esprit Saint encore nous fortifie, nous oriente. Nous permet, nous donne la force de porter des bons fruits pour la gloire de notre Dieu. Nous allons rebondir sur un deuxième message. Ce deuxième message, c'était la semaine dernière, quand j'étais encore en prière. L'Esprit Saint m'a dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de se décourager. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de se refroidir et je vais parler de ça. Mais bien aimé, nous allons prendre Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, comme on dirait, venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Comme la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant le retour du Seigneur. Et moi, je me rappelle une fois, peut-être au mois de mars ou d'avril, l'Esprit Saint m'avait dit que le monde va arriver dans un niveau d'abomination comme pas possible. Les êtres humains vont être possédés par un esprit d'abomination, un esprit de péché, que nous allons voir des choses mais que nous n'avons jamais vues dans notre vie. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas longtemps, quand je regardais les informations, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a des églises sataniques qui ont commencé à ouvrir de partout. Que ce soit dans tous les États des Amériques, il y a au moins une église satanique qui existe. Donc voilà que maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas honte, non, qui n'ont même pas peur de dire qu'ils aiment Satan, de dire qu'ils aiment l'ennemi en fait. Nous voyons à quel point le monde est en train de se dégrader, le monde est en train de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Les gens appellent le bien mal, les gens appellent aussi le mal bien. Tout est en train de se confondre. La parole de Dieu l'avait aussi dit dans Timothée. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous donne le conseil. La Bible nous demande de nous éloigner de ces hommes-là, en fait. La Bible l'avait déjà prédit il y a plus de 2000 ans. Le Seigneur l'avait déjà prédit que ces événements allaient arriver. Alors je viens exhorter un frère ou une soeur à ne pas se décourager, à toujours continuer de prier, à toujours continuer de s'accrocher à Dieu et à sa parole parce que la fin est déjà là. Ça fait maintenant plusieurs fois que le Saint-Esprit me dit que la trompette va sonner. Ça fait maintenant plusieurs fois que l'Esprit Saint
me met à cœur que la trompette va sonner et je le ressens au plus profond de moi que bientôt la trompette va sonner. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ne nous décourageons pas, ne nous refroidissons pas parce que ce monde-là ne pourra rien, ne nous apportera rien de bon, ce monde-là ne nous apportera rien de merveilleux en fait. Aujourd'hui, le monde est entré dans une phase de non-retour. Nous voyons des gens qui se tuent, des gens qui se tuent pour l'argent, les gens sont devenus méchants, ingrats. Il y a tellement de méchanceté dans ce monde. Nous voyons à quel point l'amour du monde, les plaisirs du monde ont pris ce monde en fait. Mais dans tout ça, le Seigneur nous demande de persévérer, de nous accrocher encore à lui, de nous accrocher à sa parole parce que c'est lui. Le Seigneur dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui va au Père sans passer par moi. Et celui qui vient à moi recevra une source de vie éternelle. Et la source de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous invite encore à persévérer, à marcher avec lui dans la droiture, dans la persévérance. À ne pas se décourager, mais à toujours rester fidèle, à toujours s'accrocher à Dieu. Il n'y a pas longtemps de cela, l'Esprit Saint m'a encore dit que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend au ciel, de ce qui vous est préparé au ciel. Donc, mes bien-aimés, accrochons-nous encore au Seigneur. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 2, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, mes bien-aimés. Il y a tellement de promesses que le Seigneur nous a données dans sa parole. Restons fermes, accrochons-nous fort au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ce matin, je parle à tous mes frères et sœurs qui sont découragés, qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. Je vous demande ce matin de renouer les liens avec le Seigneur, de revenir dans la présence de Dieu, de vous accrocher encore à Dieu. Parce que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Dieu est celui-là qui est capable d'affermir, qui est capable de nous ressourcer encore de lui. Alors, venons à lui encore ce matin pour qu'il puisse nous remplir, nous fortifier davantage encore. Soyez puissamment bénis, mes frères. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu y as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors le Seigneur dit que nous devons garder notre courant, nous devons garder la foi, nous devons ne pas être tièdes, mais nous devons être plutôt chauds et bouillants. Parce que la parole de Dieu dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, sans bouton, sans défaut, une église fidèle. Alors restons fidèles au Seigneur, accrochons-nous fort à lui, parce que c'est lui le Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Mes bien-aimés, soyez bénis, je vais prier encore pour remettre ces messages entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, moi je remets ces messages en tes mains, Seigneur. Seigneur, merci Père pour ta parole qui a été prêchée ce matin. Seigneur, merci encore pour ton Esprit Saint qui m'a orienté, qui m'a dirigé encore ce matin, Père. Seigneur, je prie pour que ces messages ont dans les oreilles de chacun de tes enfants, Seigneur, à travers le monde entier. Que ces messages-là les sanctifient, que ces messages-là les purifient, Seigneur. Que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, les aide à rester fermes et fidèles jusqu'à ton avènement au nom de Jésus-Christ. Père, je remets, Seigneur, ces messages en tes mains, Seigneur, que tout esprit, Seigneur, qui va s'opposer à ces messages, que tout esprit, Seigneur, qui ne vient pas de toi, qui va vouloir détruire ces messages, soit sans effet ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, Saint, Seigneur, protège tes enfants, que ton esprit, Saint, Seigneur, libère encore ton peuple de tout fardeau, au nom de Jésus-Christ. Et que ta main, tu le remplisses encore de toi. Et que ta main, Seigneur, tu le remplisses encore de ta puissance et de ton esprit, Saint, encore ce matin, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu es, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée et accrochons-nous fort à Jésus, car il revient très très bientôt. Amen.